Genèse, chapitre 14. Dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arjok, roi d'Elassar, de Kedorlaomer, roi d'Elam, et de Tidéal, roi de Gojim, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Bircha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Amda, à Shéméhéber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, qui est Tsoar. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche, et ils bâtirent les Réphaïm à Ashteroth-Karnaïm, les Uzim à Ham, les Emim à Shavé-Kirjataïm, et les Horiens dans leur montagne de Séhir, jusqu'au chêne de Paran qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent vers à El-Mishpat qui est Kadès, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens établis à Hatsatson-Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Amda, le roi de Tseboïm, et le roi de Béla qui est Tsoar. Et ils se rangèrent en bataille contre eux, dans la vallée de Sidim, contre Kedorlaomer, roi d'Elam, Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Shinéar, et Arjok, roi d'Elassar, 4 rois contre 5. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi, avec ses biens, Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chênes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Shavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, « J'ai enrichi Abraham. » Rien pour moi. Seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshcol et Mamré, eux, ils prendront leur part.